tout le monde. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai quand même réussi à faire en discutant avec Laurence, la magie du scrap. J'ai réussi à faire tout ça. Toutes plein de petites fleurs avec des feuilles. Exactement le même nombre de feuilles que de fleurs. C'est joli, hein? Oh, c'est beau. On verra ce que j'en ferai. Si. Bon, faire quelque chose. Bon, je peux pas bouger beaucoup, mais bon, hein, on fait quand même des choses. Alors, je comprends les personnes handicapées, hein, qui font des choses manuellement, oui. En étant coincé dans un fauteuil, bah, c'est éprouvant. Si. Je vais vous mettre sur l'autre, comme ça, je vais vous montrer. Comment je fais mes patouilles? Ouais. Donc pour ça, je vais me ravancer. Je vais prendre le téléphone. Hop là, je vais enlever le trépied. Il faut que je le manipule. Voilà. Hop là, il y a tout qui tombe. C'est normal, il y a le fil. Et celui-là, il faut que je le remonte. Oui, je sais, c'est un peu penché. Voilà. Alors, 5 minutes que je range l'autre. Je vais ranger là. Je vais prendre ma patouille. Et je vais faire deux autres couleurs. Si. Avec du mica. Qu'est-ce que c'est que du mica? C'est du colorant en poudre. Bon, ça sera pour mon docteur. Donc, je vais prendre la truelle, oui, la truelle, le couteau, voilà. Et je vais m'en prélever un petit peu. Attendez, un ch'touille. Bien jusqu'au fond et je vous baisse sur mes mains. Voilà, là vous êtes bien orienté. Donc j'en mets je regarde ce que je mets quand même. Deux, je pense que ça suffira. Ouais, je fais que deux hein, parce que je vais pas faire grand chose. Voilà. Voilà. Nettoyer le rebord quand même, ce sera mieux. Voilà. Ensuite. Bah, je vais déjà mettre le rose. Alors là, je peux le poser parce que c'est du plastique. Je mets à vue, hein. Là, ça suffira. Donc, j'en ai mis comme ça. On tourne doucement. C'est volatile.
ça nous donne un beau rose. Voyez pas. Un rose comme ça. Un peu plus clair même. Donc j'essuie bien ma spatule. Voilà. Bon, c'est pas trop grave s'il y en a sur les bords. Ça va aider le... Comment le... le cellophane à tenir. Hop là, il y en a un peu. Ah, un peu trop. J'ajouterai du... Ça a été trop vite. Que non, ça fait un beau bleu ciel. Voilà. Voilà, donc on va chercher le cellophane. Et d'un bout. Voilà. Tant que ça colle, c'est bien. Après, quand ça colle plus, bah, ça colle plus. On se débrouille autrement. Et de debout. J'hésite pas, j'en mets. Il faut que ce soit bien isolé. Voilà. Bon, pour l'instant, je laisse reposer un petit peu. Pourquoi? Parce que là, ça devient plus costaud quand c'est reposé. Par exemple, la mienne, j'ai dû la... Tiens, voilà. J'ai dû la tourner parce que bah, madame fait des bulles. Elle fait des bulles. Et elle épaissit. Ben, j'en ai plein partout. Comme ça. Et comme quoi c'est élastique, hop, ça part tout seul. Ben, je m'en mets en plus sur les doigts. Voilà. Bon, après, je ferai des dessous de verre en bleu pour Lolo parce que bah faut mettre du poids. Et vous me voyez coller mon bassin au siège. C'est, aïe, aïe, ça craque. C'est que ça va pas. Je me suis étirée, là, ça a craqué. C'est sûr que c'est pas marrant. Quand ça se démet, quand ça se remet, ça... Bon, ça va peut-être me soulager un petit peu que ça ait craqué. Ça chauffe là, ça commence à faire du bien.
Je suis obligée de le réactiver à chaque fois parce que il y a un thermostat. Là, je l'ai mis à 3. Là, je peux plus. Il faut dire que j'ai pas arrêté. Après, du mica, j'en ai toutes les couleurs, hein. Et tout ça. Donc, je vais ranger les micas jusqu'à la prochaine fois. Prochaine couleur. J'aime bien. Ah, je m'en suis servi dans le savon. Je les ai changés de pochette parce que la pochette était pleine de savon. Donc, toute dégoûtante. Et puis bah je m'en sers là. Voilà. Voilà. Alors je vais voir pour faire des papillons, mais bon, pour l'instant, j'ai pas la force. Je fais un truc, je m'arrête. Je fais un autre truc, je m'arrête. Les fleurs, je les ai fait accouder. Je les ai tournées accoudées. Les fils de fer. Mais il n'y avait que ça à faire, donc voilà, je me suis avancée. J'ai fait différentes formes pour les feuilles, différentes positions pour les fleurs. Et puis voilà. Donc je les laisse reposer un petit peu et puis la pâte sera beaucoup plus épaisse tout à l'heure. Voilà, un petit secret. Laissez reposer la pâte. C'est comme le pain. Il faut laisser reposer la pâte. Des blanches sauvages, j'en ai deux. J'ai quelques moulures, quelques petits nœuds. Enfin, voilà quoi. Je vais vous laisser là parce que j'ai rien d'autre de prévu. Faut déjà que je fasse un papillon avant de vous montrer parce que je ne sais pas comment les faire. Ben, quand on ne sait pas, on le dit, hein. C'est pas forcé qu'on le taise. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Et voilà.